Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur GLG Vidéo et vous m'avez demandé pourquoi Amazon.fr est plus cher que AliExpress.fr. Alors sans plus attendre, passons aux 8 raisons principales. Numéro 1, les frais d'expédition et de manutention. Amazon a des centres de distribution partout, réduisant les coûts d'expédition tandis qu'AliExpress expédie depuis la Chine. 2, taxes et droits de douane. Sur Amazon.fr, la TVA est incluse, donc vous payez évidemment TTC. Sur AliExpress, les prix sont souvent hors taxe et vous devez parfois payer des frais de taxe ou alors ils vous les incluent plus tard. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Stratégie et tarification. Amazon a des coûts plus élevés pour maintenir son réseau de distribution et son service client, ce qui peut se répercuter sur le 4, qualité des produits. Les produits Amazon sont souvent perçus comme étant de meilleure qualité que ceux d'AliExpress. 5. Frais des vendeurs. Amazon facture des frais plus élevés sur vendeurs, qui peuvent se répercuter sur le prix du consommateur. 6. Garantie des produits. Car oui, Amazon.fr offre une garantie de 2 ans sur les produits électroniques, tandis qu'AliExpress.fr offre généralement une garantie de seulement 1 an. 7. Délai de livraison et processus de retour. Avec Amazon Prime, vous recevez généralement vos articles sous 2 jours. Avec AliExpress, cela peut prendre entre 7 et 30 jours puisque ça vient de Chine. 8. Marque et OM. Les vendeurs AliExpress doivent créer une marque pour leurs produits, tandis que les vendeurs AliExpress peuvent vendre en OM. Par exemple, le bracelet de sport pour Apple Watch Ultra est vendu 3,48€ sur AliExpress, mais sur Amazon, un produit similaire sous la marque Pony est vendu 28,99€. Et voilà 8 raisons pour lesquelles un produit peut être plus cher sur Amazon.fr que sur AliExpress.fr. Et d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez aborder, vous me laissez un commentaire et je tâcherai d'y répondre la semaine prochaine. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement et rendez-vous la semaine prochaine.